Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2019 et aujourd'hui nous allons reprendre la lecture de Rudolf Steiner, donc de l'initiation. C'est le chapitre 4. Chapitre 4 des mythes et mystères égyptiens, qui est un chapitre, enfin une conférence tirée de 12 conférences faites à Leipzig, en ex-Allemagne de l'Est, du 2 au 14 septembre 1908, évidemment par Rudolf Steiner. Le titre de cette capsule sera « L'initiation, les mystères des planètes, la descente du verbe originel ». Alors avant de commencer, je souhaiterais vous rappeler que si vous n'avez pas suivi les précédentes conférences sur le sujet, cela sera un peu plus difficile d'accès, car c'est un ensemble cohérent, une suite de ces douze capsules, ces 12 chapitres, ces 12 conférences. D'autre part, il est très important, puisque nous nous rendons compte avec l'évolution humaine, de la disparité des savoirs et surtout de la différence notable des connaissances de ces maîtres du passé, ces maîtres philosophes, occultistes, ces maîtres spirituels et nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons perdu tous ces savoirs parce qu'ils ne sont pas enseignés, d'une part. Pourquoi ne sont-ils pas enseignés? Parce que il y a un refus des autorités, mais les autorités ne sont que des soldats aux ordres de personnes bien plus puissantes qui veulent justement empêcher l'éveil de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est que l'éveil de l'humanité? C'est juste la prise de conscience de ce qu'est cette humanité dans le monde aujourd'hui et ce qu'elle était jadis. Ce qui justifie sans doute que les malveillants, les criminels, les assassins aient fait en sorte d'empoisonner Rudolf Steiner, qui est mort de cet empoisonnement quelques années après, 2 à 3 ans après. Parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour soigner son corps, et comme c'était un homme de grand savoir, de grande connaissance, surtout dans le rapport au système immunitaire et à la santé et à l'alimentation, il a réussi à survivre bon an, mal an, et il nous a quittés en 1925. Cette pratique d'empoisonner ou d'assassiner les gens qui gênent, les sonneurs d'alerte entre autres, on ne disparaît pas trop jeune ou si jeune de maladie lorsque l'on est sonneur d'alerte, on disparaît parce que quelque chose a été fait pour que cela se passe. Ça s'est fait avec Rudolf Steiner, ça s'est fait avec tant d'autres éveillés qui ont rejoint, si vous voulez, les mondes astraux sans se plaindre, car ils savaient ce qui les attendait ailleurs. Pour ceux qui me suivent, ils doivent comprendre ce que j'insinue aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous demanderai également de faire le vide dans votre esprit, de sorte que vous ne soyez pas bloqués par des réflexions qui ne sont pas adaptées au texte que nous allons lire. Car nous sommes formatés, d'une manière ou d'une autre, par notre culture, notre éducation, notre niveau de savoir et de connaissance. Nous sommes formatés et ce format ne nous permet pas toujours d'accéder à d'autres pensées, systèmes de pensée ou connaissances. C'est le cas de Steiner qui est quand même très compliqué, très complexe,
Pourquoi? Parce que il utilise des tournures intellectuelles qui sont liées à son éducation. N'oubliez pas qu'il est philosophe, qu'il est le grand spécialiste de Goethe au XIXe siècle, qu'il a fait sa thèse de philosophie sur Goethe. Donc Goethe, qui était un auteur exceptionnel de savoir, de connaissance dans tous les domaines. C'est un homme de la Renaissance, Goethe. Également, écrivain, poète, homme de science. C'est un homme remarquable. Alors quand je dis homme de science, c'est pas forcément un mathématicien ou un physicien, c'est pas ça. C'est un homme qui s'intéresse à la science, qui a accès à ce savoir et qui va en parler, qui va évoquer les sujets. Tout comme Rudolf Steiner est pour moi un scientifique exceptionnel. C'est sans doute le Léonard de Vinci du XXe siècle. Fin du XIXe, début du XXe. Sauf qu'on ne le connaît pas. Vous savez que Rudolf Steiner était non seulement philosophe, mais il était architecte. Il était peintre, il était sculpteur, il était écrivain. Il était médecin, il était tout. C'était un homme extraordinaire. J'ai eu en commentaire une question qui m'a un peu heurté, parce que dans l'approche de ce travail que nous faisons, ce que je souhaiterais, évidemment c'est pas toujours réalisable, c'est que vous mettiez de côté votre ego, que nous mettions tous de côté notre ego pour nous laisser entraîner par la musique des mots, par ses vibrations, pour vous laisser pénétrer par ses vibrations, et vous verrez, ça aura des effets extraordinaires par la suite. Et on m'a dit, mais d'où Steiner tenait ses connaissances? Alors, c'est un double sens, ce type de question. Le premier sens qu'on peut mal prendre, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est que ce type qui balance n'importe quoi, d'où il tient ça, où est-ce qu'il a cherché tout ça? Ça, ce serait le premier principe. Alors, quand on se pose cette question, on devrait, au minimum, avoir le même niveau. C'est-à-dire avoir un niveau de connaissance tellement vaste, tellement immense, parce que c'est Steiner, qu'on serait capable de le critiquer en disant « Mais d'où est-ce que tu tiens tout cela ?» C'est la première question, c'est la première des réponses que j'aimerais fournir. Je ne peux pas y répondre personnellement. Je ne suis pas Rudolf Steiner. Je ne peux donc pas répondre à sa place. D'où tient-il ses connaissances? En tous les cas, une chose est certaine, quand vous connaissez l'homme, eh bien vous vous dites que c'est un homme qui a tout lu, tout étudié, qui a tout appris, parce qu'il a un panel de connaissances, mais exceptionnel. Vous pourriez vous poser la même question sur Léonard de Vinci, d'où tient-il toutes ses connaissances? Avec critique. Est-ce que ça veut dire que vous avez le même niveau que Léonard de Vinci? Savez-vous que Léonard de Vinci n'était pas que dessinateur, n'était pas que peintre, il était architecte, c'est lui qui a dressé les canaux de Florence, de la ville de Florence, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. C'était un fabricant d'automates qui était réputé pour faire des automates absolument exceptionnels. Donc il avait fait un lion, d'ailleurs un lion mécanique, pour l'anniversaire de Laurent de Médicis, ou son mariage, je ne sais plus, peu importe. Mais il avait fait ce lion qui avançait vers le trône de Laurent et qui s'arrêtait juste devant lui, et en ouvrant la gueule, eh bien, il jetait un bouquet de fleurs, des milliers de fleurs qui sortaient comme ça. Léonard était réputé pour ce talent-là. Pourtant, on a oublié. Mais d'où tenait-il ses connaissances en mécanique? Où les avait-il apprises? Et la deuxième réponse que l'on peut apporter à tout cela, c'est que nous avons des connaissances qui sont acquises, mais également des connaissances induites. Ces connaissances induites, on n'explique pas d'où elles viennent. Elles viennent de très loin, c'est exactement comme dans le flux sanguin, il y a des virus qui circulent en nous, qu'on ne connaît pas, qui ne sont répertoriés nulle part. Pourtant, ils sont là.
ils sont là, ça a été découvert il y a 2 ans par des chercheurs américains, et qui ont établi une liste de ces virus qu'ils ne connaissent pas, donc ils ont dû nommer, en déclarant que bah, dans ce flux sanguin, ce n'étaient certainement pas les seuls virus qui existaient. Et pourtant, on n'a absolument aucune idée, mais aucune idée, de comment ces virus sont venus ici. Alors, j'aimerais soulever l'idée que le système immunitaire, le cerveau, sont des banques mémorielles antédiluviennes qui ont tout enregistré et qui ont stocké l'information et qui passent d'une âme à l'autre à travers les millions d'années, les millénaires. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des souvenirs du passé, qu'ils n'expliquent pas, des souvenirs du présent, qu'ils vivent, ou qu'ils revivent, ou même des souvenirs du futur. Et ça, c'est un autre problème. Donc nous allons commencer, j'espère là, avoir répondu aux questions de certains de mes interlocuteurs, et j'y réponds sans colère, sans mépris, sans rien du tout. J'essaye d'expliquer les choses, je n'ai pas de mépris par rapport à ce que vous dites, mais si vous les dites dans l'esprit de supériorité, en disant « mais qui c'est celui-là, d'où il tient ça ?», je pense que les commentaires ne sont pas utiles. Nous pouvons être en désaccord, et nous pouvons organiser un débat, discuter d'un désaccord, mais un désaccord ne veut pas dire que celui qui n'est pas d'accord a forcément raison sur la pensée d'un autre. C'est un échange. Et dans cet échange, on peut discuter avec intelligence sans avoir besoin ni de s'insulter, ni d'essayer de rabaisser l'autre, parce que, soi-disant, l'autre serait moins intelligent et aurait moins de connaissances. Non, on n'est pas là pour ça. On est là juste pour aider et informer, de sorte que, comme disait Socrate, il n'apprend rien. Il permet, avec la maïotique, à son interlocuteur, de faire émerger en lui la connaissance intrinsèque qu'il a sans le savoir. Eh bien, nous faisons pareil. Donc, voilà les échanges que nous avons avec le travail de Rudolf Steiner à présent. Donc, mythes et mystères égyptiens, 12 conférences faites à Leipzig du 2 au 14 septembre 1908. Vous imaginez, hein, ça fait une paye. 4. L'initiation, les mystères des planètes, la descente du verbe originel. Nous avons terminé hier notre étude. Alors, hier, c'est dans le texte, mais nous, c'est toutes les semaines. Donc, nous avons terminé la semaine dernière notre étude en parlant d'un événement extrêmement important de la vie intérieure, de la vie spirituelle de l'homme. Nous avons essayé de faire naître en notre âme l'impression que ressentait l'élève des écoles d'initiation au début du dernier tiers de l'époque atlantéenne. Nous avons évoqué la forme humaine idéale qui apparaissait devant l'âme du néophyte, forme pensée, sur laquelle il se concentrait pendant la méditation, cette forme venant emplir ses représentations et ses sentiments et sa volonté. C'est elle qui devait devenir le modèle de la forme humaine actuelle. Nous l'avons vu précédemment au niveau des formes que pouvaient avoir les humains et les Atlantes puis les Égyptiens. Essayons de nous représenter cette forme spirituelle. Elle n'était pas absolument semblable à l'homme d'aujourd'hui. Figurons-nous une sorte de forme née de la combinaison d'un homme et d'une femme, mais sans la partie inférieure du corps. Imaginons une sorte de double figure où seule la partie supérieure est nettement visible. Et nous aurons l'image sensiblement suprasensible, telle qu'elle apparaissait à l'élève en méditation. Elle exerçait une action si forte que tous ceux qui devaient être initiés arrivaient vraiment à former leur corps extérieur à son image.
Le fait que le néophyte contemplait dans sa méditation une sorte de forme humaine est très important. Lorsqu'il avait été préparé et qu'il voyait cette forme vivante surgir devant lui, il se disait « En regardant cette image, je m'absorbe dans l'état premier de l'évolution terrestre, alors que la Terre, la Lune et le Soleil n'étaient pas encore séparés. » Autrefois, la Terre était composée d'un atome originel, mais dans cet atome, le clairvoyant pouvait contempler l'image qui apparaît à présent à ses yeux. Ce prototype existait déjà à l'origine de la Terre, lorsqu'il n'y avait pas encore de formes animales, végétales ou minérales. La Terre n'était alors qu'un atome humain, fait des hommes appelés à nouveau à la vie. Sans doute les premiers germes animaux se sont formés pendant la période où la Terre était unie à la Lune. Les animaux étaient déjà là. Mais nous savons aussi que lorsqu'un système planétaire disparaît, il s'abîme dans un pralaya où se dissolvent toutes les formes existantes. Alors, un pralaya, c'est un terme en sanskrit, donc ça c'est la vieille écriture, le vieux langage de l'Inde, qui signifie dissolution, destruction ou anéantissement. Dans la cosmogonie hindoue, c'est la période de dissolution d'un kalpa. Le kalpa, c'est l'unité de temps. On distingue quatre sortes de pralaya, le naimittika pralaya, le prakritika pralaya et l'atantika pralaya et le nitya pralaya. Donc je vais vous relire cette phrase parce que maintenant que vous savez ce que c'est qu'un pralaya, c'est une dissolution, une destruction ou un anéantissement. Mais nous savons aussi que lorsqu'un système planétaire disparaît, il s'abîme dans un pralaya, donc dans une destruction, où se dissolvent toutes les formes existantes. C'est-à-dire comme une explosion qui va dissolver, enfin qui va prendre tout ce qu'il y avait dedans et qui va le dissoudre. Voilà, pas dissolver, c'est dissoudre, pardon. L'ancienne Lune était peuplée de formes animales, mais la Terre n'avait pas pour cela des animaux et des plantes. Ils ne lui vinrent que plus tard. Les animaux n'apparurent qu'après la séparation du Soleil. À son origine, la Terre n'était qu'un germe humain. C'est vers ses origines que remontait le regard du néophyte. Il voyait dans l'atome primitif l'image idéale de l'homme. Lorsqu'il contemplait cette image, son esprit s'ouvrait. De point, ouvrez les guillemets, je m'absorbe dans l'état originel de la Terre. Cette image, cette forme idéale de l'homme qui vit dans la Terre, exprime pour moi ceci. La divinité agit d'éternité en éternité. Elle s'est moulée dans ses formes et elle a exhalé hors d'elle-même la forme humaine originelle. Puis il se disait, où sont maintenant les animaux, les plantes et les autres êtres ? Le néophyte voyait en même temps la forme première de la divinité et il voyait à côté d'elle les formes animales, les formes végétales qui étaient nées par la suite. Toutes ces formes des règnes inférieurs lui apparaissaient comme nées de la forme humaine. Nous nous en ferons une image en pensant à la façon dont s'est formée la houille. Pensons aux grandes forêts vierges d'autrefois qui sont devenues maintenant le charbon. Elles ont subsisté. D'un règne supérieur, elles sont passées à un règne inférieur. La plante est devenue pierre, puis s'est durcie. Le néophyte atlantéen voyait ainsi le monde tout entier sortir de la forme humaine. Cette impression qui surgissait devant l'âme de l'homme à des époques reculées se maintint dans sa mémoire au cours des temps qui suivirent du déluge et les initiateurs hindous évoquaient encore ce prototype de l'homme émané de l'éternel ego dans l'âme de leurs élèves. Lorsque le disciple hindou avait la vision de ce prototype, il sentait que là était l'origine de toute vie, que ce sang était devenu l'eau vivante de la terre, etc. Cette image s'élargissait à son regard jusqu'à devenir le fond premier d'où tout était sorti. À ce moment, on lui disait « Cette image que tu as devant les yeux est double. Elle est d'abord la forme première elle-même,
mais elle est aussi le germe le plus profond de ton être. Ce germe qui, précisément, s'est ému en la contemplant. Autour de toi, le macrocosme, et en dedans de toi, l'essence de ton être intime, le microcosme. Lorsque les Grecs, avec Alexandre, pénétrèrent dans l'Inde, et qu'ils eurent connaissance des derniers échos de ces sentiments éprouvés par le néophyte des temps reculés, ils traduisirent cette impression en disant « Quand le disciple contemple l'homme répandu à travers le monde, il a devant lui Héraclès. » L'hindou appelait « va » les forces qui animent l'univers. Mais il nommait « Brahman » la quintessence de ces forces dans l'homme. C'est ainsi que les Grecs recevaient un écho de ce qu'avait ressenti le disciple hindou au temps de l'antique culture sacrée. C'est là le résultat de la marche des Grecs vers l'Inde sous la conduite d'Alexandre le Grand. Ainsi, la doctrine sacrée de l'initiation hindoue apparaît comme un reflet spirituel de l'état premier de la Terre, uni aux forces du Soleil et à ces sublimes entités vers lesquelles se tournèrent plus tard tous les désirs nostalgiques des hommes. Lorsque le néophyte était initié, il éprouvait un sentiment élevé de vie spirituelle, quand il était parvenu à faire renaître en lui ce qu'on appelait Brahman. C'était un événement immense qui se passait au sein de l'âme humaine. Elle se sentait soulevée vers les mondes supérieurs. On ne pouvait acquérir l'initiation, la vision spirituelle réelle, qu'en s'élevant vers les mondes supérieurs. Au-dessus se trouve le Devachan, le monde des dieux, et c'est dans les régions suprêmes du Devachan que le néophyte devait être ravi, lorsqu'il devait contempler dans le macrocosme Brahman l'éternel ego. Il se trouvait alors dans les régions les plus élevées du Devachan, dans le monde des dieux, d'où provient ce que l'homme a de plus noble en lui. C'était le royaume de la plus parfaite harmonie qui s'offrait à la connaissance humaine. Et il ne contenait pas seulement ce que nous venons de décrire. Avant de poursuivre, voyons ce qu'étaient les maîtres. Vous avez tous entendu parler des saints rishis, des fondateurs de l'antique culture hindoue, qui ont eu le Manu lui-même pour maître. Qui étaient donc ces sept grands maîtres de l'Inde antique? Essayons de nous le représenter, et pour cela regardons encore une fois dans le vaste monde. Il ne faut pas oublier que ce que nous percevons avec nos sens physiques, nos yeux, etc., c'est une suite, une conséquence de l'esprit. Si nous pensons le monde qui nous entoure tel qu'il est sous sa forme spirituelle, nous pouvons le comparer à un brouillard éthérique d'où tout est né. Cette buée s'est peu à peu solidifiée. Elle s'est abaissée vers un état matériel et en son sein se sont condensés les différents corps célestes. Pour quelles raisons les autres planètes se sont-elles séparées de la Terre, comme l'ont fait le Soleil et la Lune? Car Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure se sont également isolés. Pourquoi cela? C'est que les choses se passent dans le grand univers comme elles se passent dans notre vie journalière. Comme au lycée, il y a des élèves qui redoublent une classe, il y a dans le grand cosmos des êtres qui sont retardataires et ne peuvent pas suivre l'évolution. C'est ce qu'il faut comprendre bien clairement. Il se trouva un groupe de hautes entités qui ne purent continuer à évoluer au même rythme que la Terre, qui en séparèrent les substances les plus subtiles pour en former le Soleil qui devint leur séjour. Les êtres les plus élevés étaient ainsi liés à notre développement. Ils avaient déjà accompli une évolution. Il y avait donc des êtres qui allaient devenir les esprits du Soleil et d'autres qui étaient retardataires, inférieurs aux esprits du Soleil, mais cependant supérieurs aux hommes. Ils ne pouvaient pas suivre l'évolution des esprits du Soleil parce qu'ils n'étaient pas aussi parfaits qu'eux.
Ils ne purent accompagner le soleil, car celui-ci les aurait consumés. Alors ça, c'est une notion quand même très intéressante, de savoir que parmi les êtres supérieurs, il y a aussi une hiérarchie. Ce n'est pas une hiérarchie qui est donnée. C'est une hiérarchie qui se fait toute seule. Pourquoi ? Parce que vous avez des êtres supérieurs, comme ceux qui sont nos dieux, comme nous l'avons exprimé dans les capsules précédentes, qui logent dans le soleil. Évidemment, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas faits de chair et de sang. Nous sommes dans les mondes spirituels. Et ce sont eux qui, par leur sagesse, leur grandeur, leur magnificence, leur savoir immense, on ne peut pas le mesurer, tout comme on ne peut pas les définir. Ce sont eux qui règnent avec intelligence sur tout ce qui vit, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Et puis vous avez des êtres supérieurs, mais qui n'ont pas le même niveau, qui n'ont pas atteint ces mêmes connaissances, ces mêmes savoirs, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils en étaient incapables. Et ceux-là sont différents, un peu moins puissants, un peu moins... Ce sont des notions humaines, hein, puissant, être capable, mais ils sont différents, et ceux-là ont créé les autres planètes. Ce sont les autres dieux que l'on retrouvera dans tous les panthéons religieux polythéistes. Et il le dit ici, il dit cette phrase qui est très importante, « Ils ne purent accompagner le soleil, car celui-ci les aurait consumés. » Il faut savoir que... Quel exemple pourrais-je vous donner pour comprendre ? Souvenez-vous, Indiana Jones et la dernière croisade. Quand à la fin, Indiana Jones doit comprendre les énigmes pour sauver son père et aller chercher le Graal, eh bien, à un moment, il y a une énigme et il comprend qu'il doit être le pénitent et qu'il doit courber les chines face à Dieu, évidemment. Parce que Dieu étant supérieur en tout, eh bien, l'homme ne peut pas être son égal, c'est impossible. Même si c'est ce que les généticiens et les médecins fous essayent de faire aujourd'hui en modifiant l'espèce humaine. Et donc il doit courber les chines, parce qu'il n'a pas le niveau, il ne peut pas se prétendre. Et bien là c'est la même chose, ces autres dieux ne peuvent pas suivre les plus grands qui sont dans le soleil, parce que s'ils daignaient ou s'ils osaient les suivre, ils seraient consumés par la puissance du soleil, qui est une connaissance immense, c'est le savoir de la vie, et donc ils ne sont pas capables de le recevoir, ni de l'éprouver, ni de lui ressembler. C'est pour ça qu'ils sont des dieux inférieurs. Inférieur ne veut pas dire mauvais, c'est pas ça. Ça veut dire qu'ils sont autres. C'est vrai que le langage humain est assez pauvre. On ne peut pas systématiquement fonctionner dans le manichéisme, le gentil, le méchant. Ce sont des notions qui n'existent pas à ce niveau de spiritualité. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a des êtres agissants qui agissent dans un sens et d'autres dans un autre. Mais ils étaient trop nobles pour la terre. Ça veut dire que ils ne sont pas assez bons pour le soleil, mais ils sont trop supérieurs pour la terre, donc il faut aller ailleurs. C'est pourquoi ils éloignèrent de celle-ci certaines substances dont la finesse était intermédiaire entre le soleil et la terre et qui correspondaient à leur nature pour en faire leur résidence entre le soleil et la terre. C'est ainsi que se formèrent Vénus et Mercure. Nous avons donc là deux groupes d'êtres qui n'étaient pas aussi élevés que les esprits du soleil, mais qui étaient plus avancés que l'homme. Ils devinrent les esprits de Vénus, les esprits de Mercure. C'est à eux qu'est due la naissance de ces deux planètes. Auparavant, s'étaient formés également Mars, dieu de la guerre,
Jupiter, dieu des dieux, et Saturne. Alors Saturne, c'est le grand-père des dieux. Saturne, Chronos, Jupiter. Uranus également. Voilà, il faut que je revoie mon panthéon. Mais pour d'autres raisons. Ils devinrent les séjours de certaines entités. Des esprits sont donc cause de la formation des planètes. Il ne faudrait pas croire que ces êtres qui habitent les différents corps du système solaire n'ont pas de rapport avec les habitants de la Terre. Comprenons-le bien, les frontières de la matière physique ne sont pas les limites dernières. Il est absolument possible aux entités des autres corps célestes d'exercer sur la Terre une action magique par-delà les frontières où s'arrête la matière. C'est ainsi que les influences des esprits du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, de Vénus, de Mercure, etc., pénètrent la Terre. Ces deux derniers groupes d'esprits sont plus proches d'elle. Lors de l'éloignement du Soleil, ils ont aidé l'homme à préparer la Terre à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ouvrons ici une parenthèse. Des malentendus se sont établis au sujet de la dénomination des planètes. En occultisme, on appelle Vénus la planète que les astronomes nomment Mercure. Et inversement, celle qui est pour eux Vénus est pour les occultistes Mercure. Les astronomes officiels ne savent pas qu'il y a là un mystère profond, que l'on n'a pas voulu dévoiler en découvrant le véritable nom occulte des choses. Ceci a été fait pour masquer certaines réalités. Tous les esprits des autres planètes exercent donc une action sur la Terre. De toutes les planètes rayonnent les influences vers l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas les recevoir directement. Il fallait qu'elles fussent reçues par des intermédiaires. Et c'est pourquoi le grand Manu initia les sept rishis de telle sorte que chacun des rishis put comprendre les influences de l'une des planètes. Et comme on comptait sept planètes, il y eut sept rishis, dont l'ensemble représentait un cercle de sept membres qui transmit à ses élèves les secrets de notre système. C'est pourquoi nous trouvons dans plusieurs écrits occultes des indications à ce sujet. On lit par exemple « Il y a des secrets qu'il faut chercher au-delà » Excusez-moi, ça a sauté. « Il y a des secrets qu'il faut chercher au-delà des sept. » C'est le Saint Manu lui-même qui les garda pendant le temps qui précéda la séparation des planètes. Les secrets des sept rishis concernaient les forces contenues dans les planètes. Le cœur des sept rishis, en parfaite harmonie avec Manu, dispensait aux disciples son merveilleux enseignement. Cette doctrine des origines enseignait ce que nous appelons aujourd'hui l'évolution de l'humanité à travers les états planétaires, Saturne, Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Vénus, Vulcain. Les mystères de l'évolution avaient été déposés dans les sept membres du cercle. Et chacun d'eux représentait un des degrés du développement de l'humanité. C'est ce que voyait, ce qu'entendait même le néophyte lorsqu'il s'élevait dans le monde du dévachant. Car ce monde est celui des sons. Il y entendait l'harmonie des sphères des sept planètes. Dans le monde éthérique, il en voyait l'image. Dans le monde dévachanique, il entendait le son. Et dans le monde suprême, le plus élevé de tous, il vivait le Verbe. Lorsque le néophyte hindou s'élevait au dévachant supérieur, il percevait par la musique et le Verbe des sphères comment l'esprit originel, Brahma, se divise à travers l'évolution dans la chaîne des sept planètes. Et il entendait cela dans le son primordial Va, V-H-A. C'est ainsi qu'on épelait le son originel de la création. C'est ainsi qu'il parvenait à l'oreille du néophyte. Il concentrait pour lui toute l'évolution du monde. Le Verbe divisé en sept, le mot primordial de la création, animait l'âme du néophyte et il le décrivait aux non-initiés à peu près dans les termes où nous décrirons aujourd'hui l'évolution de notre monde.
C'est ce que j'ai esquissé à grands traits dans le livre Théosophie. Cette description, nous la retrouvons dans l'antique religion sacrée des hindous, dans ce que l'on appelait les Védas, ou le Verbe. C'est là le sens véritable des Védas, ce qui a été rédigé plus tard n'est qu'un souvenir de la doctrine du Verbe. Le Verbe lui-même s'est perpétué de bouche en bouche, car en le rédigeant, on a déformé l'antique enseignement. Ce n'est que dans les Védas qu'on peut encore retrouver quelque chose de ce qui fut l'âme de la civilisation hindoue. Lorsque le néophyte repassait tout cela dans sa mémoire, il pouvait se dire « L'esprit Brahman, le verbe primordial que je sens vivre dans mon âme, existait déjà sur l'ancien Saturne. Sur Saturne résonnait déjà le premier souffle du verbe védique. » L'évolution se poursuit du soleil à la lune, de la lune à la terre. Le verbe se condense de plus en plus, prend des formes toujours plus dures, et l'image de l'homme dans le germe primordial de la terre est déjà une forme plus dense de l'état du verbe originel sur Saturne. Que s'est-il donc passé? Le verbe divin, l'homme primordial, s'était revêtu toujours plus de nouveaux voiles, et il est très important de voir quelles sont ces enveloppes nouvelles qu'il acquit au cours de l'évolution de la Terre. Le néophyte savait que rien ne se répète absolument dans l'univers et que chaque planète a sa mission. Sur l'ancien Soleil s'était formée la vie. Sur l'ancienne Lune, la sagesse avait pénétré le fond de toute chose. Le devoir, la mission de la Terre, c'est de développer l'amour qui n'existait pas encore sur l'ancienne Lune. La forme originelle de l'homme, qui avait existé sur la planète précédente sous une forme plus spirituelle, mais aussi beaucoup plus froide, s'était revêtue d'une chaude enveloppe astrale. Ce qui devait devenir l'homme avait revêtu sur la Lune une enveloppe astrale, et c'est grâce à elle que l'homme est devenu capable de développer sur Terre l'amour, depuis sa forme la plus basse jusqu'à la plus sublime. Le néophyte hindou percevait clairement, dans le dévachant supérieur, la forme du prototype humain. Dans le dévachant inférieur, elle s'enveloppait d'un voile astral qui contenait en germe les forces de l'amour. L'amour, l'éros des Grecs, il l'appelait Kama. Kama vient ainsi prendre sa place dans l'évolution de la Terre. Le verbe divin, Brahman, devenait Kama, et c'est à travers lui que le néophyte entendait résonner le verbe primordial. Le vêtement de l'amour était kama. Le vêtement du verbe originel était ce va, qui est à la base du latin vox, voix. Et le néophyte ressentait ainsi, tout au fond de lui-même, que le verbe divin avait revêtu le vêtement astral de l'amour, et il se disait l'élément le plus élevé de l'homme, qui se compose aujourd'hui du corps physique, du corps éthérique, du corps astral et du moi, c'est le moi. C'est ce moi qui est descendu dans le vêtement de l'amour pour former ainsi Kama Manas. C'était le noyau le plus intime de l'être humain. Kama, la forme revêtue par Manas, le moi. Dans ce germe central doivent aussi naître trois corps supérieurs. Ceux-ci transformeront les corps inférieurs. Ils transformeront le corps physique, et de même que l'enveloppe astrale deviendra manas, le kama correspondra à un niveau supérieur, à buddhi, le corps physique. Quand il sera entièrement spiritualisé, il deviendra eima. Tout cela se trouvait déjà en germe dans le va, et il y a dans les Védas une phrase qui rappelle encore comment le néophyte exprimait le mystère du noyau intime de l'être. Nous savons que le corps physique est né sur l'ancien Saturne, le corps éthérique sur l'ancien Soleil, le corps astral sur l'ancienne Lune et le moi sur la Terre. Mais la toute première forme humaine, celle qu'exprimait le mot originel « va », contenait déjà en germe les trois autres corps. Il manque encore trois principes à l'homme pour qu'il devienne l'image parfaite du Verbe créateur, du verbe primordial. Le néophyte admettait que seul l'initié pouvait comprendre clairement la nature véritable du corps physique, du corps éthérique
et du corps astral. Aujourd'hui, l'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il prononce « je suis ». Là seulement, il est entièrement homme. On le retrouvera chez Descartes. Je pense donc je suis. Je suis, c'est parce que je pense. Ces autres corps existent aussi, mais en eux, l'homme est encore inconscient. Dans le quatrième, c'est le va qui se manifeste. Bon, Steiner va plus loin encore que Descartes. Hein, il y a quand même 4 siècles quasiment qui les séparent. Dans le quatrième, l'homme parle. C'est là une phrase des Védas. Lorsque résonne le nom du moi, c'est la quatrième partie du va qui se fait entendre. Voici la phrase en question. 4 parties du va sont révélées. 3 seulement en sont visibles. 3 sont cachées aujourd'hui. Dans la quatrième, l'homme parle. C'est une merveilleuse description de ce dont nous avons parlé si souvent. C'est ce que voyait le regard spirituel du néophyte. Il se trouvait reporté à cet état de l'évolution où les planètes étaient encore unies, où existait la Terre originelle, où résonnait pleinement le va. C'est ce qu'exprime une autre phrase des Védas, Auparavant, je ne savais pas ce qu'était le « je suis ». Mais lorsqu'arriva vers moi le premier-né de la Terre, l'esprit s'emplit de lumière, et je participais au va sacré, à la sagesse. Ces mots rendent une vision que percevait l'initié. Ceci n'est qu'une faible indication de ce que vivaient intérieurement les disciples des anciens rishis. Des enseignements merveilleux qui pénétraient l'antique culture hindoue, qui furent transmis aux époques suivantes et transformés suivant les besoins des autres peuples. Mais tous comprirent le verbe originel « va ». En invoquant tout entier un de ces mystères, nous comprendrons beaucoup mieux bien les choses. Il faut se représenter qu'autrefois, l'action qu'exerçait le maître sur l'élève était toute différente de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent, parce que on va critiquer tel auteur, tel écrivain ou tel philosophe, qui sont des anciens philosophes, qui ont plusieurs siècles d'âge, c'est très très difficile de les critiquer parce qu'on ne pense plus pareil aujourd'hui. Parce qu'on bénéficie d'un capital de savoir et de connaissances qui, en toute logique, devrait être supérieur et qui peut-être ne l'est pas. De nos jours, une action de ce genre ne peut s'exercer que lorsque le disciple a atteint un certain degré d'initiation. Autrefois, les forces qui passaient du maître à l'élève étaient beaucoup plus fortes. Pour essayer de nous faire une idée de ce qu'étaient ces forces, disons que non seulement la parole, la pensée écrite du maître agissait sur l'âme d'entendement, mais qu'en outre, des forces magiques, secrètes, passaient du maître à l'élève. Alors on imagine que dans ces temps très anciens, le savoir passait à la fois par les mots, mais également par l'intention. L'intention du maître qui télépathiquement communiquait avec son élève pour lui communiquer un autre savoir que celui de son propre entendement. Alors si vous avez été à la faculté, c'est certainement pas ce que vous trouverez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi, je suis le maître, donc je suis le patron, je sais, toi tu ne sais rien, tu notes. Or c'est pas du tout ça l'enseignement. L'enseignement, c'est un échange de savoir, un échange de connaissances pour permettre justement à l'élève d'accéder à ses savoirs sans frustration, sans colère, sans haine, sans rabaissement, et peut-être même que l'élève pourra un jour apprendre des choses au maître. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de l'échange des connaissances, et c'est pour ça que nous avons tellement d'enseignants, même à l'université, hein. Nous avons tellement d'enseignants médiocres parce qu'ils ont été dressés à réagir de cette manière. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une connaissance livresque. Or, ce n'est pas parce qu'on a forcément une connaissance livresque qu'on est plus sachant qu'un autre. Pas du tout.
Parce que la connaissance livresque n'est qu'un guide, c'est qu'un code de la route. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours autre chose qui se cache derrière. Mais ces gens-là ne cherchent pas ce qui se cache derrière. Parce que c'est une forme d'académisme qui réduit, si vous voulez, la liberté de penser. Je reprends. Pour essayer de nous faire une idée de ce qu'étaient ces forces, disons que non seulement la parole, la pensée écrite du maître agissait sur l'âme d'entendement, mais qu'en outre, des forces magiques secrètes passaient du maître à l'élève. Surtout, ces forces-là avaient le pouvoir d'emplir de clarté et de vie les tableaux qui surgissaient devant l'âme de l'élève. Le rôle du maître est d'apporter le savoir et la connaissance à l'élève pour que celui-là, puisse un jour prendre sa place avec les mêmes connaissances et voire même plus pour distribuer ce savoir à d'autres élèves qui, eux également, prendront sa place plus tard lorsqu'ils auront acquis toutes ces notions de savoir. Et c'est la seule façon qu'on ait de perpétuer la connaissance au cœur de l'humanité. Or, aujourd'hui, les mentalités sont complètement autres. On n'est pas là dans la distribution du savoir, on est là dans la glorification du savoir. C'est-à-dire qu'on est dans la glorification du chercheur, du professeur-chercheur. On va travailler sur ses sujets, on va travailler pour lui, à sa place. Mais on n'en tirera pas de gloire, c'est lui qui tirera la gloire du travail d'autrui. Or, il n'est pas question de gloire dans tout ce qui est partage des connaissances. Il est juste question d'apport et de formation. Surtout, ces forces-là avaient le pouvoir d'emplir de clarté et de vie les tableaux qui surgissaient devant l'âme de l'élève. Cette faculté étrange ne se perdit qu'au cours de la quatrième époque post-atlantéenne de la civilisation gréco-latine. Le jeu des forces alla se transformant. Dans l'ancienne Égypte, les rapports de maître à élève étaient tout autres qu'aujourd'hui. Les vieillards exerçaient sur la jeunesse une tout autre influence. Il faut savoir cela pour comprendre les écrits des auteurs grecs. Socrate exerçait réellement une influence télépathique sur ses élèves, pendant qu'il leur donnait son enseignement. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Nous trouvons dans les œuvres de Platon la trace de ces faits. N'oubliez pas que Socrate a été condamné à boire la ciguë, c'est-à-dire qu'il a été condamné à mort, parce qu'on a jugé que son enseignement était dévoyé. Ce qui était juste et bon autrefois serait aujourd'hui une pratique condamnable. Sans cesse s'accomplissent des transformations. Nous ne devons surtout pas plagier aujourd'hui ce qui a été autrefois. Pourquoi ? Eh bien parce que ça ne s'adapte plus aux sociétés modernes. Et pourtant, si on essayait, un tant soit peu, de rejoindre ce type d'enseignement, eh bien, contrairement à Rudolf Steiner, moi je pense que nous améliorerions la condition humaine. Nous l'avons vu dans certaines écoles aux États-Unis où il n'y a plus de punition, mais il y a des heures de méditation. Eh bien, les résultats sont extraordinaires. Nous vivons dans une société malade, en grande souffrance, et pour apaiser cette souffrance, nous devons nous résoudre à revenir à cette spiritualité des premiers âges pour tenter de nous élever et de résoudre tous ces problèmes de violence, de drogue, de colère qu'il y a dans les hommes aujourd'hui. On peut expliquer certains faits présents en remontant à ces choses du passé, mais il serait répréhensible et immoral de s'en servir aujourd'hui. Des forces passaient donc jadis du maître à l'élève. Dans l'ancienne Égypte, encore, on rencontre un grand nombre d'individus qui étaient sensibles à cette transmission. Lorsqu'un de ces êtres à l'âme particulièrement malléable se trouvait avec un homme qui savait penser avec force,
ses pensées énergiques agissaient de telle sorte qu'elles réapparaissaient dans l'âme du disciple sous forme d'image. Dans l'ancienne Égypte, cette action télépathique était tout à fait normale. Et on l'y observe fréquemment. Cette transmission se produisait surtout entre les êtres énergiques et ceux dont la volonté n'était pas développée. On pouvait, par la pensée, diriger, conduire les êtres d'une manière dont nous ne nous ferions aucune idée aujourd'hui. À notre époque, si on se servait de ces forces, ce serait en fait pour faire un très mauvais emploi. Dans l'ancienne Égypte, les initiations étaient, dans l'ensemble, basées sur l'emploi de forces analogues. Et il est certain que si on découvrait des personnes avec ces pouvoirs télépathiques, capables de contrôler les êtres humains, eh bien, c'est utilisé, ça c'est le projet MK Ultra par exemple, c'est utilisé contre les humains, contre les citoyens. Alors qu'à l'époque, c'était utilisé pour permettre l'élévation. C'est dire à quel point le mal a investi notre vie actuelle. De même, dans l'Inde ancienne et en Perse, ces forces venaient appuyer les effets de la méthode d'initiation, méthode que l'on pourrait appeler, en employant une expression exotérique, une méthode médicale. Naturellement, il ne s'agit pas de la méthode officielle d'aujourd'hui. L'initié égyptien, qui était aussi médecin, aurait souri de ce que l'homme appelle aujourd'hui la médecine. Et pour cause. L'ancien médecin égyptien savait une chose. Comment faire renaître par l'initiation les états de conscience de l'époque atlantéenne? Sur l'Atlantide, l'homme vivait dans un état de clairvoyance assourdie. L'initié égyptien savait qu'à ce temps, les êtres spirituels avaient exercé sur l'homme un pouvoir beaucoup plus grand. Aujourd'hui, quand l'homme dort, il ignore tout des mondes supérieurs. Mais l'homme atlantéen, doué d'une conscience clairvoyante embrumée, vivait encore avec les dieux. Et de même qu'aujourd'hui, l'exemple d'une vie parfaite agit beaucoup mieux que toutes les doctrines de morale. Autrefois, l'initié égyptien agissait sur son élève au moyen de forces et d'images tirées de réalités spirituelles. Son action n'était pas superficielle, elle pénétrait l'âme profondément et y produisait un résultat tout à fait particulier. Supposons un homme malade, chez lequel certaines fonctions ne s'accomplissent pas normalement. D'où cela vient-il? Celui qui connaît les enseignements occultes sait que les irrégularités des fonctions physiques n'ont pas de cause extérieure. Toute maladie qui n'a pas été provoquée par un accident extérieur a pour cause un trouble du corps éthérique. Mais si le corps éthérique est malade, c'est que le corps astral n'est pas dans son état normal. Lorsque chez l'homme atlantéen, un danger s'annonçait dans le fonctionnement des humeurs, l'ordre était rapidement rétabli. Pendant son sommeil, l'homme recevait des mondes spirituels un tel afflux de force que les fonctions et les énergies atteintes se rétablissaient et l'homme guérissait. L'action de s'endormir rétablissait les forces saines. Les anciens médecins égyptiens procédaient de façon analogue. Ils affaiblissaient artificiellement la conscience du patient jusqu'à une sorte de sommeil hypnotique, et alors ils pouvaient manier à leur gré les images qui surgissaient devant son âme. Ils les dirigeaient de telle sorte qu'elles pouvaient émettre des forces agissant sur le corps physique pour le guérir. Alors évidemment, aujourd'hui, avec la médecine allopathique, ce serait qualifié de sorcellerie, de chamanisme ou de je ne sais quelle autre sottise inventée par cette science moderne qui essaye de détacher l'âme du corps et qui se rend, par la force des choses, puisqu'on le voit bien, incapable de soigner, mais surtout de guérir. Tel était le sens du sommeil dans le temple auquel on recourait pour les maladies internes. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de cancer. Les gens n'étaient pas malades comme ils sont malades aujourd'hui. On ne faisait prendre au malade aucun remède, on le faisait dormir dans le temple. On atténuait sa conscience
et on lui faisait contempler les mondes spirituels. On dirigeait alors ses expériences astrales de telle sorte qu'elles lui fournissent les forces qui redonnaient à son corps la santé. Ceci n'est pas une superstition, c'est un mystère qui était connu des initiés. Ils savaient qu'ils pouvaient introduire dans les visions du malade des forces spirituelles. C'est pour cela que la médecine était étroitement liée au principe de l'initiation. Pour guérir, on rétablissait artificiellement les conditions dans lesquelles avait vécu l'homme atlantéen. Et comme l'homme endormi n'opposait pas à leur action sa conscience de veille, les forces nécessaires à la guérison pouvaient opérer sans obstacle. C'est dans ce sens qu'agissait le sommeil dans le temple. Pendant la civilisation égyptienne, régnait encore le principe qui avait agi aux Indes avec les saints Rishis, disciples de Manu, le grand maître de la première grande civilisation. Ils dirigeaient eux-mêmes les faits et transmettaient eux-mêmes à leurs élèves les forces des planètes. Pendant la première culture de l'époque post-atlantéenne, ce furent les Rishis qui apportèrent ce sublime enseignement par lequel les hommes étaient conduits vers les mondes spirituels jusqu'au Devachan supérieur. Ce qu'ils y contemplèrent, alors, descendit vers le plan physique au cours des civilisations suivantes. Lors de la quatrième civilisation post-atlantéenne, il pénétra dans le plan physique l'entité dont nous avons parlé plus haut sous le nom de Brahman, que nous nommons le Christ, qui n'avait plus à transmettre l'esprit, mais qui devint homme lui-même pour faire rayonner sur tous les hommes la puissance mystérieuse du Verbe. Ainsi, le Verbe est descendu pour faire remonter l'homme. Il faut que l'homme comprenne de quelle manière ce fait s'est accompli et qu'il fasse de lui l'instrument d'une action qui fécondera l'avenir. Nous devons savoir ce qui a été avant nous avant de pouvoir donner une forme toujours plus spirituelle à ce qui est en nous et autour de nous. Nous devons créer pour l'avenir un monde spirituel. Pour cela, il faut d'abord que nous embrassions du regard le cosmos. Voilà la fin de cette quatrième conférence des mythes et mystères égyptiens de Rudolf Steiner. Alors, je sais que cette capsule était un peu difficile, j'en conviens, mais c'est un travail qui doit s'écouter et se réécouter, vous mettre dans l'obscurité, vous mettre dans une nuit cosmique, comme il en parle, afin de vous imprégner de ce qui est dit pour, peut-être pour pouvoir rejoindre vos propres connaissances enfouies, passées, qui sont en vous et qui résonnent en vous lorsque nous faisons cette lecture, mais qui résonneront bien davantage lorsque vous les réécouterez et lorsque vous vous mettrez en condition. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur cet échange de connaissances. Je vous encourage aussi à visiter notre site kojiito.com où vous trouverez une quantité d'informations sur la médecine, sur la nature, sur les arts, sur tout ce qui peut vous intéresser et vous éveiller. Merci encore pour votre écoute. Louloute vous remercie, elle ne voulait pas participer aujourd'hui. Et nous vous saluons. Salut.